Coucou à tous, c'est Krim, on se retrouve une nouvelle fois en live sur ma chaîne Twitch pour jouer au Single Sim Challenge. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas... j'ai encore oublié de couper le son, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, j'avais un vilain écho. Forcément, je ne coupe pas le son de ma vidéo, c'est pas pratique. Oui, donc je reprends. Donc pour ceux qui connaissent pas le Single Sim Challenge, je rappelle, je ne peux contrôler qu'un seul Sim, c'est-à-dire en l'occurrence Lola qui est donc enfant. Je n'ai pas le droit de toucher à ses parents, à son frère, à son chien, sauf dans certains cas spécifiques pour laver le chien, faire des gâteaux, payer les factures, enfin voilà. Et ben bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Oui, désolé Missing, il y a du son. Il y a même tellement de son que j'avais de l'écho de moi-même, donc c'est dire, il y a même trop de son. Mais oui, je te promets, au prochain live, j'oublierai de mettre le son, comme ça tu pourras un petit peu te foutre de moi, hein, je vois pas d'autres mots. Et puis bah tout de suite, on va commencer. Donc je rappelle que durant le stade enfant, j'avais donc... cinq tâches à effectuer. Il fallait que je complète l'aspiration enfant, donc ça c'est bon, c'est fini. Quoi d'autre? Que j'ai un meilleur ami, donc c'est bon aussi, c'est Alexandre Gothique. Que je devienne complice avec donc ce meilleur ami et qu'on fasse 3 blagues à l'école, c'est pareil, c'est fait. Et donc maintenant il me reste... à valider une compétence enfant et valider deux traits de compétence adulte. Donc j'ai validé la compétence enfant. Et maintenant il faut que je valide 2 compétences adultes. Mais je ne sais plus quelle compétence adulte qu'est-ce que la faculté motrice à 10 me donne accès en compétences adultes. Donc de toutes les façons, je suis à 1 point de faculté sociale, donc on travaillera le charisme et puis voilà. Et le dernier point, la dernière tâche qui me reste à faire, c'est obtenir un A à l'école. Donc ça, bon, j'en suis un peu loin, mais ça va venir parce que j'arrêtais pas de faire des blagues avec Alexandre, donc je ne suis pas trop concentrée sur l'école. Mais là, maintenant qu'on a fini les blagues, on va pouvoir se concentrer dessus. Je me suis pas servie d'Alexandre Gothique. J'en ai fait mon meilleur ami. Et puis de toutes les façons, je lui réserve aussi un rôle quand Lola sera adolescente. Donc t'inquiète, on va le revoir. Je vais de nouveau, oui, effectivement, me servir de lui. Elle donne accès à rien à la faculté motrice. D'accord. Bon, bah j'ai pas choisi la bonne. C'est pas bien grave, on va aller causer un peu à ton père et puis ça libérera le charisme. Et ben voilà, je suis donc sur Lola. Et on est parti. Alors. Et ben t'es allé, va causer à ton père, pour une fois qu'il est là. Voilà, faire une référence culturelle, vas-y lecture. Complimenter sincèrement. Où je suis? Dans la piscine. Il sort de là. C'est pas la fête. Et va voir ton père. Sans marcher dans la crotte du chien. Mais je sais qu'il est moche, Alexandre. Mais avant de choisir un... En fait, je suis censée... je suis censée, avant de me marier, avoir... le son est un peu fort, non, du jeu. Attendez, je vais baisser un petit peu le son. En fait, avant, quand elle sera plus vieille, avant de se marier, etc., je suis censée avoir un amoureux d'abord. Donc, je me suis dit qu'Alexandre ferait bien l'affaire en attendant de trouver un vrai futur mari. Donc, à la limite, je m'en fous qu'il soit moche. Vu que j'ai pas l'intention de lui faire de gosse un jour. Elle est partie se coucher. Allez, va jouer avec ton frère. Voilà. T'en es où? Ah bah ça y est, c'est fini. Alors maintenant on va bosser le charisme. Tu me diras, moi j'ai le droit d'utiliser... voilà. Donc à la limite, t'en fous. Oh, laisse tomber ton frère, tu t'en fous.
On n'a pas besoin. Le charisme, je t'ai dit. Ce qu'il nous faut, 2 barres de charisme. Mais le problème, c'est que Don... Non, Don, il est un petit peu trop vieux pour Lola, quand même. Je rappelle qu'il commence le jeu déjà adulte, alors que Lola, elle a commencé la partie bambin. Donc, je pense qu'il va être un peu vieux, Don, quand même. Et sinon, moi, j'ai l'arme qui est dans ma maison, c'est normal. J'avais pas vu jusque-là. Non, mais Don, il va être trop vieux, malheureusement. Mais sinon, oui, je l'aurais bien choisi. Il va falloir prendre quelqu'un d'autre. Bon, allez, bosse-moi ce charisme. Après, un petit tour aux toilettes. Et puis, comme d'hab, t'iras bouffer des céréales, vu que tu peux pas les forcer à te faire à manger, que le frigo est vide. Allez, compote de pommes, soyons fous. Soyons fous. Non, je sais pas qui je vais choisir. Je pense que quand elle sera ado, j'irai jeter un œil à voir qu'est-ce qu'il y a un peu dans la... Dans la gestion des foyers. Et ben, le chien, il boit l'eau. Personne peut aller réparer, là. Attends, hop. Parce que le bruit de l'eau, ça commence à me fatiguer. Voilà. Allez, on y est presque. Ah bah d'accord, tu t'es fait foutre dehors par ton père, c'est normal. Non mais si t'as... Non mais non, n'y va pas. Ah oui, c'est bon. Allez, vas-y, tu peux y aller. J'ai cru qu'elle allait à la toilette quand son père était sous la douche, on aurait eu un petit incident diplomatique. Mais non, c'est bon. Allez, prendre sa compote. Allez. Tu sais, t'as un lit quand même. Ouais, t'as un lit, monsieur, tu peux aller dormir dans ton lit. Allez, la compote, et hop, tu retournes me bosser ce petit charisme. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Pas du tout. Fais tes devoirs. Le fils de Don. Je sais pas s'il a eu un fils. Tiens, j'irai voir, parce que comme j'utilise le MC commande, ils font leur vie un peu, les PNJ, donc il faudrait que j'aille voir si effectivement Don a eu un fils, et surtout avec qui il l'a eu, parce que bon, des fois on peut avoir des mauvaises surprises quand même, donc j'irai voir avec un peu de chance s'il l'a eu avec un PNJ pas vilain. J'irai voir ça, tiens, après. Mais c'est une bonne idée, je te remercie, Missing. C'est un bon plan, le fils de Don. Bon, t'en es où, toi? Tu manges, magnifique. Allez, hop, tiens, on va faire les devoirs avant d'aller bosser le charisme. Parce que de toute façon, le charisme, on y est presque. Il va manquer que le A. Et après, on pourra demander à son père de faire un... Je t'ai pas demandé de parler à ta mère non plus. On pourra demander à son père de lui faire un gâteau. Elle fait ses devoirs. Tu peux pas lui foutre la paix, sérieusement? J'ai réquisitionné le lit des pains. Elle est allée dormir une nuit dedans. C'est bon, hein. Tu sais, quand t'as des enfants, ça arrive régulièrement, hein. Moi, des fois, je m'endors seule dans mon lit, je me réveille, il y a ma fille. Hein. C'est pas pour ça que je dors sur le canapé, tu vois. Ça fait partie des choses quand on a des enfants. Alors. Oh, quelle belle vue de derrière la baignoire. Aïe. On y est presque. En plus, elle est confiante, donc ça monte vite. Et après, elle ira dormir. Elle ira dormir. Après... Oh putain, il est crado, le père. Eh, dis-moi, t'aurais pas pris un peu de poids, toi? Ah, c'est pas grave, hein, mais... C'est la chemise, ou... Non, je pense que... Bouffer des céréales toute la journée, c'est peut-être pas terrible. Ben moi, des fois, je... Tu vois, ce sont des choses qui arrivent. C'est... Des fois, les lits sont squattés. Ah, on a bugué. Attends, hop. On va débugger. Voilà. Donc non, c'est pas parce qu'on se fait squatter le lit qu'on va dormir sur le canapé. C'est pas une bonne excuse. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a encore bugué? Oh, c'est pénible, ça. À sauvegarder. Et on va revenir.
Elle est enceinte. Ah non, hein. Non, elle m'a pas fait ça quand même. Non, elle a pas de ventre, regarde. Elle a juste pris un peu des fesses et des lolos. Ah non, 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 ils me font pas des bébés dans le dos comme ça, hein. C'est interdit. Et toi, t'en es où là? Ouais, vas-y, non mais c'est... Ton père, sort de là. Sors de là. Tout est normal. Tout est sous contrôle. Et elle veut pas sortir. Bon, bah ma foi. C'est pas grave. C'est pas... Allez, sors. Voilà, attends. Je sais pas pourquoi ça arrête pas de bugger. Voilà, sors de là. Magnifique. Et j'ai 2 en charisme, donc c'est bon, j'ai validé la 4e tâche. Il ne reste plus qu'à avoir un A à l'école. Donc, vraisemblablement, peut-être mardi. Est-ce que je peux faire du travail en plus? Ouais, vas-y. On va bosser un peu. Après, tira au lit. Bah, il est dans son bain, il est dans son bain. Il a bien fallu qu'il y rentre dans son bain, quand même. Enfin, je sais pas. En plus, elle est dégoûtante, la baignoire. Moi, même pas, je me laverai dedans. Bon, allez, fais du devoir en plus et au lit. Ah ouais, non, non. Ça se fait pas quand même, monsieur. Faut acheter des projets scolaires. Ça s'achète, les projets scolaires? Je pensais qu'il les ramenait de l'école, moi. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Bon, après, je suis pas une journée près, hein, c'est pas bien grave. Hein, maintenant que je sais que je peux la faire... Enfin, je peux lui faire... Mais tu veux pas lui fiche la paix? Elle fait ses devoirs. Non, ils vont tous venir la faire chier, quoi. Le père, la mère, le chien... C'est tombé. Voilà. Elle a terminé son travail. Au lit. Allez. Et viens pas la réveiller, toi. Mais visiblement, si. Demain matin, il faudra que t'ailles prendre une douche. Et puis, tu mangeras un morceau. Non, mais ça va, on n'est pas une journée près, hein, là, logiquement. Mardi au plus tard, elle a le A, et après, on n'en parle plus. Non, mais, enfin, j'espère qu'elle n'est pas enceinte, quand même. Non, elle n'a pas de ventre. Elle a pas de ventre. Mais d'un autre côté, c'est quoi que tu bois? Ah, c'est de l'eau. Ça va. Non, je pense que comme il n'y en a pas un qui fait à bouffer et qui passe leur journée à grignoter tout et n'importe quoi, genre des chips au petit-déj et tout ça, forcément, ça aide pas. Ça n'aide pas. Bon, allez, on a accès. Tu veux pas aller dormir, hein? Tout le monde pionce, hein? Sauf toi. Ah bah, sauf elle. Pourquoi tu t'es levée? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Elle s'est sentie tellement sale qu'elle a eu envie d'aller à la douche. Va comprendre. Il se passe des choses bizarres. Bon, allez. Ouah, vitesse rapide! Ah. T'as à peine le temps de te rejoindre à la vitesse rapide, qu'il y en a un qui se lève, quoi. C'est un vrai problème, cette histoire. Le temps qu'on perd à les regarder pas pioncer, c'est impressionnant. Ça devrait être une vitesse que tu peux activer, quoi. Ah bah ça y est, puis il casse la baignoire. Sans déconner. Non mais ça coûte cher, une baignoire. Bon, bah vas-y. Tu sers à rien. De toute façon, t'es là juste pour que je puisse me fâcher avec toi à l'adolescence. C'est à peu près tout. Donc, me cherche pas, hein, sinon tu dégages. Donc, t'arrêtes de casser les baignoires. Sinon, je te préviens, je me fâcherai avec mes parents. Parce que de toute façon, vu que je grandis beaucoup plus vite que toi, mon grand frère va pas tarder à devenir mon petit frère. Donc ça va poser problème. Faut les tuer.
Espèce de sadique, va. Pourquoi tu veux que je les tue? J'ai juste dit que je les faisais partir. J'ai pas dit que j'allais les tuer, quand même. J'ai besoin d'eux. C'est n'importe quoi. Bon, allez. Allez, mais va te coucher, là. C'est 5h du mat, quoi. Donc, qu'est-ce que tu manges? Des céréales. Oh, mon Dieu, des céréales le matin. On s'en sort bien. Allez, aux toilettes aussi. Allez, bah toi aussi, tu vas prendre un jus d'orange le matin. Ça fait du bien, ça met en forme. Et puis, on va voir. De toute façon, c'est dimanche, il n'y a rien à faire. Il n'y a plus qu'à attendre le prochain jour d'école. Ah bah t'es allée à la douche avec ton verre de jus d'orange. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. T'as encore faim, donc... Non, c'est pas ça. Allez, un verre de lait. Un verre de jus d'orange, un verre de lait. Magnifique. Si c'était un vampire, elle pourrait leur ordonner de faire des trucs. Parce que, est-ce qu'il y a un espace pour faire des trucs? C'est important quand même. Et bah non, c'est pas un vampire. Donc elle peut pas leur faire des trucs. C'est un peu le principe du challenge aussi, hein, de galérer avec... Et encore là, déjà, elle se nourrit elle-même, c'est déjà pas mal. Parce que je rappelle quand même que pendant toute sa période bambin, on était en galère avec cette chaise haute, quoi. Coincée entre les fois où ils se barraient en nous laissant dedans, ou... Où il fallait les supplier pour avoir à bouffer. Je sais pas comment on a fait pour survivre. Bon, allez. Ah, je sais pas ce que je vais faire de toi, ma grande. J'ai rien à te faire de la journée. Les devoirs, c'est fait. Tout ça, c'est fait. Et bah, écoute. Je sais pas. Va jouer à l'ordinateur. Allez, va discuter dans la salle de chat pour enfants. Comme ça, tu vas peut-être te faire des copains. Et comme ça... Ça nous fera de potentiels futurs petites amies, etc. Il y a plein d'espace. Ah bah c'est bien, c'est important qu'il y ait des espaces pour faire des trucs. Quel genre de trucs, on sait toujours pas, mais... Il y a un espace pour faire des trucs. On s'en fout, je m'aime pour lui, ça m'intéresse pas, c'est pas Lola. Alors, est-ce que tu te fais des amis? Oui, Alexandre... Louise Garcia, je connais pas. Et Nathalie Bernard. Mais enfin, c'est que des filles, quoi. Écoute, tu vas finir avec une fille. Hein. Ah oui, alors je confirme. Elle a pris un petit peu. Voilà, je sais pas comment, mais effectivement, contrairement à lui qui mange pas visiblement, mais. Je ne sais pas. C'est l'inégalité homme-femme. C'est injuste. Ils vivent la même vie, mais il y en a un qui prend du poids et pas l'autre. C'est pas ma faute si t'as pas une imagination. Oh, j'en ai plein de l'imagination, mais bon. C'est pas ça qui manque, hein. Mais bon. Bon, tu te trouves d'autres amis, là, que Nathalie et Louise, là? Ah, je sais pas, moi. Un mec, quoi. De toute façon, vu que je suis en version longue, ils passeront... Ah, remarque, pour Don Lotario, effectivement, il est adulte, mais comme c'est en durée de vie large, il sera peut-être toujours jeune adulte quand on passera jeune adulte. Ça se réfléchit, cette idée. Oui, Alexandre, c'est un garçon, c'est bon, c'est mon meilleur ami. La barre, elle est toute pleine, donc je vais m'en servir à l'adolescence. Mais encore faut-il que lui aussi grandisse. Parce qu'il y a quand même de fortes chances, parce que je rappelle qu'en version longue, la phase enfant dure 43 jours, enfin plus, parce qu'il me reste 43 jours, je crois que c'est 50 jours. Et que moi, d'ici, allez, 2-3 jours max, je vais devenir ado. Donc il y a des fortes chances pour qu'Alexandre, il soit toujours sur les bancs du CP là-bas. Donc, je pense que même Alexandre, je vais pas pouvoir m'en servir.
Donc, ça va être mort en fait. Ouais, je peux faire un spectacle son et lumière. Mais c'est que en privé. Que je ne donne mes spectacles qu'à un public restreint. Bon ben c'est mort hein, de toute façon. Ah tiens, Nobuya. Ah oui, la dernière fois, tu t'étais déjà endormi, mais je me demandais si c'était le même que le tien. J'ai un Nobuya qui est passé par là et qui est devenu mon ami. Ouais, je me sers, mais oui, je me sers d'eux, hein, c'est le but, hein, c'est un challenge, hein, parce que toi, tu te sers pas des gens dans ton challenge. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, on va peut-être accélérer là, parce qu'il se passe pas grand-chose. Elle rencontre personne, de toute façon. Allez, hop, stop. Être appelée à table? Non, il y a quelqu'un qui a fait à manger. Oh! Oh la vache! Ils ont fait des macaronis au fromage? Vite au frigo! Oh! Oh bah alors là, c'est un peu l'événement du challenge. Quoi, non mais tu manges, tu manges, tu manges. Non, pas devant la télé, non? C'est un peu l'événement du challenge. Ils ont fait à manger tout seul et de la vraie nourriture. Je suis impressionnée. Vraiment, bravo les gars. Vous avez mangé autre chose que des chips, et ça, c'est cool. Allez, tu manges aux toilettes et tu vas aller jouer un petit peu. Y a pas joué? Jouer. Allez, jouer à Vive les Sims. Allez, on est parti. Ah oh bah ça a cassé les chiottes maintenant. Il m'énerve parce qu'il faut savoir que dans des étapes suivantes, il va falloir que je gagne beaucoup d'argent, que j'ai une maison qui vale cher. Donc si je pouvais éviter de dépenser toute la thune que les parents se crèvent à gagner pour réparer des choses, ce serait pas mal quand même. Je pense que dès qu'elle va être ado, la compétence bricolage, ça va être un petit peu son truc, hein. Parce que là, clairement, il y en a marre. Il y en a marre de dépenser du fric comme ça. Allez, hop, joue. Tu vas aller rediscuter dans la salle des enfants, des fois que. On ne sait jamais. Pourquoi ça? Allez, ça monte doucement quand même, hein. Pourtant, tu devrais t'éclater à jouer aux Sims. Et pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est une phase, c'est quelque chose? Ah oui, besoin de faire du bruit, c'est ça. Pff. Enfin, au moins, moi, elle se déguise pas en nounours multicolore. C'est déjà pas mal. Ouais, super. Allez, va vite prendre des macaronis avant qu'il n'y en ait plus. Tiens, allez, hop, prends ça. Parce que j'ai comme l'impression que les macaronis vont repartir aussi vite qu'ils sont arrivés. Du coup, faut en profiter. Allez, lâche l'ordi, va manger. Ah, ils sont déjà tous en train de taper dedans. Je vais voir ouvrir. Ah bah, il n'y a plus de macaroni, quoi. Qu'est-ce qu'elle a cassé? J'en ai marre! Mais allez! Vivement que tu te mettes au bricolage, toi, parce que... J'en ai ras-le-bol. Pas mal son père quand même, hein. Bien réussi. Soit c'est pas lui le c'est pas lui le but du challenge, mais hey, pas mal, pas mal, pas mal. Bon allez, ah, il est 19h, c'est bien, on va bientôt aller se coucher et demain école, ça va nous permettre de progresser un petit peu. Allez, continue à parler avec ton père. Et à 20h, allez, 21h au dodo. Allez. Allez. Bon, allez hop. 20h30, au lit. C'est parti.
Allez, les parents aussi au lit. Non, ils veulent pas. Bon, bah, ma foi, tant pis. Hop, la mère. Manque plus que père. Toujours le même qui dort pas. Je sais pas, dors sur le canapé si tu veux, mais dors, bordel, dors. Alors, avec le père, c'est pas possible. Ah bon? Je peux pas avec son... Non? Bon, bah, tant pis. C'est dommage. J'avais une idée d'histoire, là, d'un coup, mais... C'est pas parce qu'elle peut pas être avec lui que j'ai pas le droit de dire qu'il est charmant, quand même. Et salut à Ilaria07 qui vient d'arriver. Putain, pourquoi elle se réveille? Pourquoi? Mais pourquoi? Il y a un monstre? Bah non, il n'y a pas de monstre, alors dors, bordel! Mon Dieu, quel est pénible cet enfant. Bon, et puis le père, il veut toujours pas dormir. Dormir, c'est pour les faibles. Il est beau, mais il est un peu con quand même. On peut pas tout avoir, tu me diras. Bon, ouais. On peut pas être canon et... On peut être canon et savoir qu'il est temps d'aller au lit pour que je puisse passer en hyper vitesse, quoi. C'est un peu glauque. Non, oh, si peu. Si peu. C'est un détail, ça. Tu me diras, il prend bien son bain quand sa fille est dans la salle de bain. Tranquille. L'air de rien. Tranquillement, au calme. Tout va bien. Bon, il veut toujours pas aller dormir. On va attendre que la nuit se passe. De toute façon, la mère est réveillée. Voilà, magnifique. Allez, on va attendre le petit matin pour pouvoir aller à l'école. Voilà, faites-vous des bisous, allez faire crac-crac si vous voulez, mais allez dormir, bordel! Pff, moi, j'en peux plus. Hein. J'en peux plus. Hein. Je crois que j'ai dû passer en super vitesse, allez, 4 fois depuis le début du challenge, et encore pendant 10 secondes. N'a pas évident. Voilà, maintenant le fils se réveille. Allez, hop! On est parti, c'est la teuf. Est-ce que le chien a mangé? Oui, toujours. Allez, on va laisser dormir encore un petit peu. Et puis après, on va la faire manger. Et puis, ce sera l'heure de l'école où je la ferai travailler dur en espérant qu'elle fasse grimper le plus possible sa barre de... Et voilà, et maintenant, il dort sur le canapé. Mais il m'énerve! Il m'énerve! Ah, ça y est, elle est réveillée. Alors, un petit tour au pipi. Non, pas, c'est pas pipi, ça. C'est pas pipi dans la douche, c'est pas bien. Pipi, douche, céréales. Et l'école, s'il te plaît. Voilà, tu vois. Je suis allée se laver les mains dans la cuisine parce que sa mère squatte. Alors son père, ça la dérange pas d'être là quand il prend son bain. Par contre, sa mère, elle la vire de la salle de bain. C'est d'une logique. C'est d'une logique implacable. Allez, vas-y, ça va, ils sont pas du tout industriels, tes céréales, rose, bleu, machin. Magnifique. Ah, il y a l'école, il y a l'école, il y a l'école. Va à l'école. Dépêche-toi. Arrive en retard, c'est pas bon pour les notes. Allez. Réviser assidûment. Et on va surveiller cette barre, voir comment elle monte. On a fait les devoirs, on a fait du travail. Ah, j'aurais pu l'envoyer concentrer, tiens, ça aurait peut-être pu aider. Mais enfin, je vois pas comment elle aurait pu valider en une seule journée. Donc, c'est pas bien grave si on l'a pas concentrée avant d'aller à l'école. Farce réussie. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait une dernière farce. Ah, ben ça a amélioré ma performance scolaire. Magnifique. Et magnifique. Faisant preuve d'une détermination à toute épreuve, Lola a méticuleusement empilé des centaines. Qu'est-ce que c'est? Lola est en fille. Ah, on reprend. Aide orthographique. C'est le jour du concours d'orthographe de l'école et Lola est en finale. Mais cette fois, elle n'a jamais entendu parler du mot qu'elle est censée épeler. En parcourant la pièce du regard, Lola voit l'intello de la classe lui montrer son cahier avec un mot soigneusement écrit dessus. Doit-elle accepter cette aide ou donner sa meilleure réponse? Non, elle va faire de son mieux.
Et donc, bien joué, Lola sait qu'il ne faut pas faire confiance aux enfants intelligents et il y a un fort esprit de compétition. Elle ferme les yeux, oublie le cahier et devine chaque lettre lentement. Bonne réponse, Lola gagne le concours à la surprise générale. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Elle s'est encore barrée. Putain, j'en peux plus. C'est la deuxième fois qu'il se barre, ce con de chien aussi. C'est pas possible. Tant qu'il revient pas avec des bébés, remarquez, on s'en sort bien. T'as à manger, tout le monde s'occupe de toi. Pourquoi tu te barres ? Pourquoi ? On va t'enfermer dans la maison, tu vas voir. C'est pas possible. Voilà, donc tout le monde va être triste pendant des jours. En plus, comme je peux pas contrôler les parents, je peux pas faire un avis de recherche. Ah, le courrier a été distribué, magnifique. Bon, ça y est, il a bugué, il a payé les factures. Allez. Vas-y, va payer les factures, mon grand. Ça avance bien. Donc demain, effectivement, on pourra faire grandir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait à manger. Oh ! Il fait à manger. Cet homme est merveilleux. Qu'est-ce qu'il fait ? On ne sait pas, on saura à la fin. Il fait qu'il salit tout aussi, hein, ça on peut pas tout avoir. Et il fait qu'il va pas laisser finir, voilà, qu'il va pas finir, qu'il va nous laisser le plat. Comme... Ouh, j'ai rien dit, cet homme n'est pas du tout merveilleux, c'est un boulet. C'est un gros boulet. Allez, courage, demain Lola sera ado, elle pourra cuisiner, réparer, magnifique. Elle a un projet scolaire. C'est con, il manquait pas grand chose, je pense que si je l'avais fait partir concentré... Ça passait en une journée. Allez, on va faire le projet scolaire. De toute façon, ça changera rien, mais... Ça les occupera un peu. Allez. Vas-y, soigneusement. Après, tire à faire tes devoirs. Allez, on y va, là. Vas-y. Ça fait monter tes traits, tout ça. Très bien, d'ailleurs on en est où de ça? Bon, la responsabilité, ça va le faire, le reste, pas forcément. La fille peut pas faire la vie. Non, je crois que j'avais regardé, attends, je re-regarde. Mais je crois que c'était pas possible. Ah bah si, tiens, merci. La dernière fois, en fait, elle était bambin, donc j'avais pas pu, mais effectivement, elle va pouvoir retrouver son chien. Merci, Missing. C'est bien, c'est avec ces challenges, on découvre des choses qu'on n'avait pas forcément pensé parce qu'on n'avait pas forcément eu besoin de passer par un enfant pour ça. Ah, super, elle va avoir le trait responsable, magnifique. Alors. Allez, hop, hop, hop. Oh, bah, puis il vient l'aider. Ah, bref, non. Non, mais quand je vous dis que c'est un boulet, quoi. Il arrive pour l'aider, puis il se barre. Ah, c'est pas la peine de lui parler, hein. Ou tu l'aides ou tu te barres, hein. Elle est triste, mon chien il est parti. Voilà, allez. Allez, on y va. On se motive. Allez. Ce serait bien que tu finisses. T'en es où, on sait pas. J'ai l'impression que ça n'avance plus. Ah si, ça y est, c'est presque terminé. Allez, voilà. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Allez. Et puis là, du coup, ouais, ça devrait être bon. Voilà, très envie d'aller aux toilettes. Donc, tu vas d'abord aller appeler pour ton chien. Utiliser. Hop, faire ses devoirs. Et après, quoi d'autre ? Manger. Ah bah ça va pas être possible hein, le frigo. Ah si, on peut quand même manger, magnifique. Allez, biscuits au fromage, soyons fous. Et coucou, trouve garde. Je sais pas si ça se dit comme ça, excuse-moi si j'égorge. Si j'égorge, pardon. Mon pseudo. Et pas égorgé. Je n'égorge personne, ni aucun pseudo, ni rien. Allez, fais tes devoirs, mange.
Oh non, il est en train de finir le plat qu'il a préparé à midi. Eh bah dis donc. Ah non, c'est juste... C'est juste de la des chips et de la sauce mexicaine. Magnifique. Magnifique. Cette famille est extraordinaire. Dis juste Trove. Ok, bah très bien. Bienvenue Trove. Bienvenue sur le live. Donc, on est en plein single sim challenge. Je sais pas si tu connais. Je ne peux contrôler que cette petite fille. J'ai pas le droit de contrôler les autres membres du foyer. J'ai des tâches à lui faire faire. Donc j'ai presque fini les tâches de l'enfance. Il me reste plus qu'à lui obtenir un A. Ce qui devrait être le cas. Voilà, ce qui sera le cas demain. Sans problème. Tu vas te détendre, toi, on crie pas sur son père. Et puis après, est-ce que t'as fait tes devoirs, mon petit chat? Ah, t'as pas fini quand même, hein? Allez, fais tes devoirs. Arrête de parler à ton père. Commence à nous fatiguer. T'as fait la recherche pour ton chien, là? Ouais, c'est bon. Parce que sinon, on va se taper un moodlette. Ah. On va se taper un moodlette pourri. Il y a quelqu'un qui vient de télécharger un de mes Sims, magnifique. Merci. Devoir terminé, c'est bien. Allez, au lit. Allez, et demain soir, ça va être ton anniversaire. Ah, Katrina Caliente avec Akira Kibou, rien que ça. Tout le monde dort, magnifique. On est en super vitesse. Sansa est revenu. Eh bien. Bah écoute. Bienvenue chez toi. C'est pas mal comme défi. C'était très drôle au stade Bambin parce qu'il voulait jamais me nourrir et jamais me descendre de ma chaise haute. Là du coup au stade enfant j'ai un petit peu plus d'autonomie donc j'ai moins besoin d'eux et du coup ça se passe mieux. Et je pense que plus je vais arriver au stade ado et adulte, et plus ce sera facile pour moi. Mais le stade bambin, c'était quelque chose. Hein. Comme au début, les règles n'étaient pas tout à fait définies par la créatrice du challenge. Et du coup, on savait pas encore si on pouvait utiliser le père pour payer les factures. Donc j'ai passé des jours et des jours sans électricité, sans eau, sans rien, parce qu'on pouvait pas payer les factures. Il est où, John ? John. Eh ben, John, ben, il est pas là, John. Qui est John déjà? Je ne sais plus, je ne sais pas qui est John Missing. Je ne me souviens pas. Bon, on en est où là? Il est 4h du matin, on y est presque, les gars, on y est presque. Allez, quand tu te lèves, tu vas aller regarder la télé. Allez, regarder la télé. Regarder la chaîne pour enfants. Pour enfants... Pré-ado. Voilà, c'est ça. On va le faire pré-ado. Sansa est revenue, t'as dit. Alors, oui, le chien s'appelle Sansa, mais j'y suis pour rien. Je l'ai adopté et il s'appelait Sansa directement. Donc, j'ai trouvé ça sympa, mais j'y suis pour rien. Et donc, John, eh ben, John, écoute, il est perdu sur son mur... en train de chevaucher les dragons de sa tante. Ou sa tante tout court d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Ah, on s'en fout, c'est pas la nôtre. Tu vois, eux ça leur pose pas de problème, hein, les histoires avec le père, la mère, tout ça. Ils s'en fichent. Bon, allez, on lui fait monter la distraction. Et à l'école, de toute façon. On est sûr d'avoir le... Ah bah d'accord, elle a cassé la télé, putain. Vas-y, laisse-la comme ça, la télé. Tu la répareras tout à l'heure. Va manger. Pff, tout est cassé. Tout est cassé, c'est le bordel. Pff. Putain, la saison, elle est sortie il y a un an, mon gars, quoi. Mets-toi un jour, quoi. Enfin, je sais pas. Je veux bien faire que ce soit des spoils une semaine ou 15 jours après, mais ça fait un an, quoi. Qu'est-ce que... Je peux plus rien pour toi, là, mon gars. Je veux pas m'accuser de spoiler une série d'il y a un an. Le
Donc, je suis pour rien, moi. Il n'y a pas un jus d'orange, des céréales, on est parti. Allez, à l'école. Hop, on verra ça plus tard. Une amitié est née. Mon amitié avec toi est la plus forte du monde. D'accord, il est devenu ami avec le robot. C'est normal. Tout est logique, c'est les Sims, c'est pas grave. Ça y est, elle est à l'école. Elle va avoir son A. Tiens, toi, tu vas aller faire un gâteau. Non, tu feras un gâteau tout à l'heure parce qu'ils sont capables de le bouffer avant qu'elle rentre. Par contre, tu peux aller laver le chien. Ça, j'ai le droit de te le faire faire. Donner un bain à Sansa. Voilà. Non, la prochaine, elle arrive mi-2019. Non, elle arrive pas dans un an. Arrête! C'est pas possible. Elle arrive début de l'année 2019, je crois. Non, mais on l'a déjà fait, ça, et on a dit qu'on prenait pas l'aide. Ah, bah ça... Donc, non, non, arrête d'être mauvais comme ça, de dire que c'est dans un an. On va pas attendre 4 ans non plus entre deux. Ça suffit. Bon. Allez, 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 là. On y va. Le gâteau d'anniversaire. Accélérer un petit peu. Comme ça, dès qu'elle passe à dos, là, je lui fais réparer tous les appareils de la maison. Ça éviterait que ça me coûte un bras à remplacer à chaque fois, là, parce que... Je sais pas comment je vais faire pour me faire de l'argent. Avril-mai 2019. Arrête d'être mauvais comme ça. Sois pas. Brise pas mes rêves. Ne brise pas mes espérances là parce que je suis au bout de ma vie déjà. 2 ans pour une saison, c'est quand même énorme. Elle a intérêt à déchirer quand même la saison là parce que c'est pas possible qu'elle soit toute pourrie pour un final qu'on a attendu 2 ans quand même. Ce n'est pas possible. Alors, tu rentres quand tu veux de l'école. Tout le monde s'est barré, je peux pas te faire faire le gâteau. Faudra attendre que tes parents rentrent du travail. Non, ramène pas Nathalie, non, on s'en fiche. Donc voilà, elle a accompli toutes les tâches de l'enfance. Je vais donc pouvoir la faire passer à dos dès que quelqu'un sera revenu et pourra faire un gâteau. J'espère qu'ils pourront faire un gâteau, même si le frigo est... Comment dirais-je ? Un peu défectueux. Oui, je sais que ceux qui attendent les bouquins, ils sont mal. Bah oui, et puis bah écoute, toi t'attends pas, mais moi j'attends parce que j'adore cette série et ça fait mal d'attendre 2 ans quand même. Surtout qu'après je me dis bon, on attend 2 ans, mais bon, au moins après comme c'est fini, tu vois, à limite j'ai pas envie que ça soit fini, donc finalement c'est peut-être pas plus mal qu'on attende 2 ans. Bon alors, sinon, toi tu fais quoi? Pourquoi t'es habillée comme ça? C'est quoi ce look? T'as eu un A, mais bon, c'est pas non plus la raison pour s'habiller comme... avec des chaussures jaunes et une robe rose, quoi. Un petit peu de classe, mademoiselle. Un petit peu de classe. Bon, déjà, en attendant qu'ils reviennent, tu vas aller jouer. Et puis moi, je vais commencer à regarder quelles vont être les tâches. Jouer à Vive les Sims. Bon, à quelle heure ils rentrent, tes parents, là? Parce que c'est pas possible, ça. Elle rentre à 17h, donc ça va... Et lui, 21h. Donc, c'est toi qui vas faire le gâteau. On va voir si tu peux. Cuisiner. C'est bien, on peut s'en servir même cassé. Hop, gâteau au chocolat. Allez. On va la laisser jouer un petit peu. C'est bon, sa mère est rentrée. Elle va aller lui faire son gâteau. Et toi, tu vas pouvoir souffler tes bougies. Je suis... Non, il n'y a pas que John qui m'intéresse. J'aime bien John. Mais tout le reste aussi m'intéresse. L'intrigue, tout ça. Tu vois, je ne regarde pas que pour Jon Snow non plus.
Et sinon, qui je suis? Ben, je suis sa créatrice. Donc, à un moment donné, j'ai quand même envie d'arrêter de me brûler la rétine en la regardant. Donc, j'aimerais qu'elle soit habillée correctement. Au moins coordonnée, quoi. C'est pas tant les habits de la robe est pas moche, hein, mais c'est-à-dire qu'il faut choisir les chaussures qui vont avec, quoi. Il faut se coordonner. Bon, allez. Alors, attendez, je me suis imprimé une petite feuille pour adolescent. Ça va être sympa. Et je crois qu'il va falloir que je fasse grandir Alexandre aussi, un de ces quatre. Oh putain, ils ont déjà bouffé le gâteau, mais c'est pas possible! Mais putain, ils m'épuisent. Bah, refais un gâteau! Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils sont cons quand même. Non, relève-toi et fais un gâteau là. Putain, bouffe le gâteau avant qu'on ait le temps de mettre les bougies dessus, c'est pas possible! Bon, viens ici, toi, parce que dès que le gâteau arrive, il faut que tu lui sautes dessus. Parce que sinon, tu fêteras jamais ton anniversaire. Il faut encore que tu fasses tes devoirs, tout ça. Parce que j'imagine qu'il faut avoir un A aussi en tant qu'ado. C'est chez l'école, bécoter. Ah, il va falloir que je bécote quelqu'un. Alexandre? Aïe. Bah non, mais d'accord. Mais j'ai besoin du gâteau, moi. Non, mais le. Puis maintenant, elle les met au frigo. Mais c'est pas possible, ça. Là, c'est ça. Explose la porte. Vas-y, mets des bougies. Ah, tu peux pas mettre de bougies. Mets des bougies, mets des bougies. Ah non, toi non plus. Il est pas bien placé. Et vas-y, mets vite des bougies. Voilà, bougie d'anniversaire. Il est avec son robot, il est content. Non, mais dégage le chien! Putain, c'est pas possible. Allez, souffle vite ces bougies là parce que je sens que ça va devenir compliqué. Allez, magnifique. Wouhou! Ouais, Lola vieillit. Alors, qu'est-ce qu'on va lui prendre comme trait? Allez, on va en faire. Je sais pas. Je sais pas. Allez, active, soyons fous. Et moi, j'aimerais qu'elle soit Sims aux multiples talents. Voilà, c'est comme ça. On y va, on va voir sa tête. Ah bah tiens, justement, quand on en parle, la coiffure de Daenerys. Alors les sourcils, c'est pas ça, ma chérie, hein. Le reste ça va, mais les sourcils c'est pas ça. Donc on va aller se relooker vite fait. Je vais essayer d'aller vite pour pas que ça soit long pour vous. Puis les cheveux, t'es censé être brune quand même, hein. On va se détendre. Voilà, prends un selfie. Super. Archéologue. Non. Non. Elle ira pas à Selvadorada. Oublie ça tout de suite. Je ne l'enverrai pas mourir dans un temple. Que ce soit clair. Elle n'ira, je ne rencontrerai jamais Pelvis. Alors, ouais, d'accord. Bon, alors vite, on se dépêche. La coupe de cheveux. Les cheveux, j'ai dit. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Ouf, non. Elle est plutôt jolie, je suis contente. Non, tu ressembles trop à ta mère. Bon, c'est pas mal un petit carré comme ça. J'ai dit que j'allais essayer d'aller vite. Donc, allez hop. Voilà, une queue de cheval, c'est nickel. Au niveau des fringues. Allez, on va pas y passer la nuit. On va se choisir une petite tenue. Qu'est-ce que moi je vais t'habiller? Moi j'en sais rien.
Allez, on va t'habiller simplement comme une ado que tu es d'ailleurs, hein. Tu repasses, c'est joli. Un jean. Allez, hop. Wow, c'est pas mal ça. Ah, c'est bien. Tu es une vraie ado. Une paire de baskets, une paire de baskets. Ah, nickel. Voilà. On s'en fout. Pouf, oh mon dieu. Oh la vache. Oh, ça pique les yeux. Allez. Oh ben, chaussures. Oh, écoute, on va enlever les gants et ça ira à peu près. De toute façon, c'est une tenue que tu mettras jamais. Voilà. Pour le sport. Mon dieu. Mon dieu. Hop. Hop. Ça va. Les gants, ça va pas. Hop, une paire de baskets un peu plus mieux que ça, ce serait pas mal. Non, mieux que ça. Non. Voilà, ça va aller. Voilà, super. Et pour dormir, tu dors. Bon, oui, bien sûr. On dort tout le temps comme ça. C'est bien connu. Un petit short. Y a pas un short qui traîne? Voilà, tu vas dormir comme ça. Avec tes lunettes. J'espère que tu les enlèves pour dormir, toi. Contrairement à d'autres. Oh oui, magnifique, le maillot de bain. T'as tellement bien une ado. Voilà, c'est mieux. Et ben voilà. Allez hop, c'est fini. Je vous embête plus avec le relooking, on est reparti. Elle gagnera plein de simflouzes. Ouais, d'accord, mais non, elle ira pas à Selvadorada. Laisse-moi tranquille. Déjà, j'ai pris un chien pour pas que tu me demandes un chien à chaque live. Donc, non, je n'irai pas à Selvadorada. C'est un coup à crever en route, ça. Bon. Eh ben, je t'annonce que. Mais pourquoi t'es pas changé? Pourquoi? Pourquoi? Voilà, change-toi. Je t'annonce que tu commences ta vie d'adolescente par de la réparation. Réparer. Voilà. T'as le frigo et la télé à réparer. Non! J'ai pas cliqué sur le bon. Fais chier. Je viens de perdre 1700 simpouzes. Non, Missing. Même si tu demandes à chaque live, tu n'auras pas. Tu ne verras jamais ma Simset dans Selvadorade. C'est pas la peine d'insister. Il y a trop de risques de la faire mourir. J'aimerais bien finir le challenge. Bon, allez. Ça y est, t'as réparé? Magnifique. Alors, on va faire une petite pause quand même pour qu'on fasse un point sur les tâches à effectuer. Donc, adolescent. Colère, angoisse et hormones, le trio gagnant de l'âge ingrat. Vos parents ne vous comprendront jamais. De toute façon, vous allez vous barrer de cette famille pourrie. Donc, tâche 1, devenir rival avec l'un de vos parents ou l'un de vos frères et sœurs. Bon, ok. Tâche 2, changer drastiquement le look de votre cible, donc ça on verra après. Tâche 3, sécher l'école. 4, sécher l'école 4 fois avec votre meilleur ami. Donc, il faut que j'aille faire grandir Alexandre. Tâche 4, bécoter quelqu'un puis le quitter. Tâche 5, se faire un tatouage. Magnifique. Bon, c'est pas bien compliqué. Il faut juste que. Je me dispute avec un de mes parents, que je fasse grandir Alexandre et que j'en profite pour faire grandir aussi mon petit frère qui. Enfin mon grand frère qui est devenu mon petit frère en quelques secondes. Et puis ça va rouler comme voilà, comme il faut cette affaire. Donc bah déjà, on va s'occuper un peu d'elle. Il n'y a pas besoin de d'avoir un A à l'école, alors je vais pas trop me prendre la tête non plus sur les devoirs. Par contre, une petite douche, faire à manger. Oh, oh, faire à manger. Oh, c'est beau. Servir le dîner. Haricots saucisses. Bon, c'est pas la folie, mais ma foi, c'est déjà pas mal. Hein. Ça change des chips et des céréales. Par contre, je sens que chaque fois que je vais faire un plat, ils vont le bouffer en 3 secondes. Il va falloir que je fasse la cuisine à chaque repas. Voilà, magnifique.
Un système. Pff, on s'en fout, c'est le père. Le truc, il a le frigo. Ça au frigo. Ah, pouvoir faire le ménage aussi. Ouais, c'est chaud, hein, bah oui. Magnifique. Et bah, ça va être bon, ça. Finalement, les chips, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Allez, tu manges ça. Et tu vas aller jouer un petit peu. Plus de choix, jouer. Vive les Sims. Et moi, je vais faire venir Alexandre. Enfin, je vais aller dans la gestion des foyers. Et je vais faire grandir Alexandre et le frère. Et coucou Ayoub. Bienvenue au live. Donc, allez, fini de manger, va jouer. Non, va dormir. Tu joueras demain. Dormir. Ah, ça va, vaporiser le monstre sous le lit. Je pense que tu vas t'en sortir. Hein, t'es une grande fille. Tu sais qu'il n'y a pas de monstre sous ton lit. Hein, tu le sais. Allez, oui. En plus, je crois que... Ah non, j'allais dire, je crois que tout le monde dort, mais non. Le père ne dort toujours pas. Il est perdu je ne sais où. Ah mais pourquoi elle s'est pas couchée? Ah, parce qu'elle voulait péter un coup avant d'aller au lit, c'est normal. C'est normal, c'est la classe. C'est le côté glamour. Sinon, tu le fais venir et tu lui fais un gâteau. Ah, je peux faire ça? Eh ben, allez, on va faire un gâteau pour le frère, alors. Et puis un gâteau pour... Ouais, mais je peux pas le forcer à faire souffler. Enfin... Si, je peux le forcer à... Je peux cliquer moi sur le gâteau pour que lui fasse fête son anniversaire? Non, il n'y a pas d'âne sous mon lit. On verra plus tard, Donne, la pauvre. Pour l'instant, elle va se concentrer sur Alexandre Gothique. Il est pas beau, mais bon, dans notre adolescence, on a tous eu... On a tous une erreur de jeunesse. Donc, Alexandre, ça sera son erreur de jeunesse. On a tous eu un mec ou une copine pas terrible à cette époque-là. On prend ce qui vient. Si tu peux lui faire souffler les bougies. Bon, bah écoute, on va essayer. Il va venir demain après l'école et puis voilà. On va commencer par le frère, parce qu'il est censé être plus vieux que moi quand même. Et puis après, on appellera Alexandre. T'es dessus. Ben non, t'es dessus, c'est pas possible. T'es dessus, c'est mort. Crime, elle a un dossier à partager. Comment ça, j'ai un dossier à partager? J'ai un dossier de quoi? Je ne sais pas. Ce soir, on n'est pas sur la même longueur d'onde missing, je crois. Tu fais des références que je ne capte pas. Je ne te reçois pas. Alors, allez. T'as, c'est encore le père qui dort pas, hein. Mais rentre chez toi, va dormir, fais quelque chose. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'à faire, enfin, à faire monter en avance Lola, elle va devenir plus vieille que ses parents à un moment donné. Je pense que... Avant de passer jeune adulte, on fera vieillir les parents aussi. Ah, ce que je disais à propos d'Alexandre... Ah oui. Oui, d'accord, oui, effectivement. Non, j'ai pas un dossier à partager, mais bon... J'ai pas toujours eu bon goût, quoi. Pardon. C'est moche. Alors, j'ai pas toujours eu... j'ai pas toujours eu bon goût, c'est tout. C'est tout ce que je dirais. Qu'est-ce qu'il fait, là? Oh mon Dieu, ça, c'est du look, hein. Caleb. Elle s'est levée. Pourquoi elle s'est levée? Ah, il pourra aller se doucher comme je lui ai demandé. C'est très bien. Mais enfin, ta nuit est pas terminée, hein. Donc, bah, tu vas y retourner.
Attends, vas-y, sors le gâteau. Chope ton frère. Alors, attends. On va faire le ménage aussi après, hein. Alors, est-ce qu'ils ont touché au gâteau? Oui, bon, bah, de toute façon. Non, mais il y a deux gâteaux, ils pouvaient pas finir un avant d'entamer l'autre. Il fallait qu'ils entament les deux. Comme je vais en faire un troisième. C'était tellement plus simple. Bah, allez, va faire un gâteau. Cuisiner. Allez, un gâteau au chocolat. Pourquoi elle veut pas? Je sais pas. Elle veut pas. Cuisiner. On recommence gâteau au chocolat. Voilà. Après, on va mettre les bougies. Ah bah non, bah elle veut pas, hein. Il y a quelque chose au four, peut-être. Non, il n'y a rien au four. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu fais... Mais non, mais... Mais des... Oh, il me saoule. J'en ai marre. J'en peux plus. Mais va-t'en de là, toi! Vas-y, méchant. Grondé. T'es pas bien! Allez! Pas possible. Bon, allez, va te coucher. Tant pis, on verra demain. Il m'épuise, moi. Donc, ils veulent pas faire le gâteau au chocolat. Je sais pas pourquoi. Il n'y a rien dans le four. Il n'y a rien sur le plan de travail. Et elle a décidé qu'elle ne voulait pas. Voilà, on sait pas pourquoi. Non, que tu manges le gâteau au chocolat, c'est une chose, mais au lieu d'entamer les deux, finis le premier, quoi. Laisse-moi le deuxième en entier, que je puisse foutre, que je puisse foutre trois bougies dessus, bordel. C'est pas possible. De toute façon, ils sont tous ligués contre moi. Hein. Le chien, les parents, le frère. N'a pas un qui veut m'aider. Hein. Même le jeu, il est contre moi. Allez, vas-y, t'as assez dormi, là. Va lui faire son gâteau. Mais non, mais elle annule l'action, je comprends pas. Qu'est-ce qui te gêne, bordel? Il n'y a rien là. Il n'y a rien du tout. Reprends le gâteau au chocolat. Bon, allez, ça bug, ça m'énerve. Je crois que c'est cette action-là qui fout la merde. Pff, ouais, vas-y, les haricots saucisses dès le matin, c'est merveilleux. Non, mais elle veut pas, hein. Bon, bah va jouer, hein. Tu vas regarder la télé. Allez. Ah, mais ils ont tous buggé, en fait. Oh là là. Bon. Et maintenant, tu veux bien aller le faire, ce gâteau-là? Bah non. Non, elle veut pas. Pourquoi faire? On sait pas. Allez. Bah non, je comprends pas. Et si tu en fais un autre? Allez, un gâteau blanc. C'est peut-être le chocolat, ça l'inspire pas, ça l'inspire pas. Sinon, je vais changer le four. Hein. Ouais, non, mais il y a un problème là. Il y a un problème. Donc, attends, on va changer le four. Je sens que c'est lui le problème. Voilà, hop, vendre. On va pas se faire chier non plus pendant 3 ans. Bon, j'ai vendu le four, tu veux bien faire à manger maintenant? Bah non, toujours pas. Magnifique. Alors attendez, on va faire autrement. Hop. Voilà, on a fait partir l'action. Reprendre gâteau. Attention, magnifique. Elle fait le gâteau. C'est beau. Oui, je vais faire le ménage, mais 2 minutes, je m'occupe déjà de faire grandir le frère et Alexandre, et après on fera le ménage.
Je sais que c'est un peu le bordel là, mais d'un autre côté, la pauvre, il y a qu'elle qui bosse quoi. Je sais pas, j'avais pas embauché une femme de ménage à un moment donné. Je comprends pas, moi. Vas-y. Oh, il est dégueulasse le gâteau. Oh la vache. Celui-là, il va rester un moment au frigo. Il est blanc, il est gris en fait. Alors, hop. Non, 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 va pas à l'école, va pas à l'école. Va pas à l'école. 2 secondes. Acheter des bougies d'anniversaire. Toi non plus, va pas à l'école, va pas à l'école. Comment je fais alors? Plus de choix. Mais non, tu vois, je peux pas. Célébrer? Bah, j'ai peur que si je clique sur célébrer, elle grandisse, quoi. Je peux pas lui forcer. Bon, tant pis. Allez, va à l'école. On verra ça tout à l'heure. De toute façon, d'ici ce soir, le gâteau, il y a bien quelqu'un qui l'aura bouffé. Tu vois, je peux pas faire souffler les bougies à la place du frère. Faut que j'aille dans. Faut que j'aille dans la gestion des foyers, en fait. Ah, tout ça pour ça, quoi. Ça fait 2 heures qu'on est sur ce gâteau, là, de merde, et au final, on peut rien en faire. Magnifique. Heureusement que je suis en durée de vie longue, hein, que pff, on a le temps. Ça doit marcher que sur les PNJ. Ok, bon ben écoute, on va faire venir Alexandre ce soir. Si ça marche, tant mieux. Si, et puis on ira dans la gestion que pour le frère. Et puis si ça marche pas, on ira dans la gestion pour les deux. Bon allez, on accélère un peu là. En fait, je sais pas pourquoi je l'envoyais à l'école, donc on s'en fout. Mais c'est pas grave. Ah, fais-toi des amis. Voilà, fais-toi des amis. Pour après. Vu que, bon, je sais pas trop quel âge aura Donne Lothario quand elle deviendra adulte. Donc on va prendre. On va essayer de se trouver des alternatives. Non, mais en plus, à la base, j'avais pas du tout pensé à Donne, quoi. C'est toi qui me pousse du côté obscur de la force et qui jette mes 6-7 dans les bras de Donne. Alors, jour de contrôle. Lola a 2 contrôles aujourd'hui et l'un d'entre eux s'annonce difficile. Elle a un peu de temps pour étudier auparavant. Doit-elle passer tout son temps à réviser pour le contrôle le plus dur ou répartir son temps équitablement entre les deux matières? Pff, allez, révise le plus dur. Lola réussit à obtenir une bonne note au contrôle difficile, mais les réponses à l'autre contrôle ne sont pas aussi faciles à trouver que prévu. Elle obtient un B+ et un C. Bon, bah, ma foi. Si tu le dis, oui, alors tu veux que je fasse le ménage en manuel, ok. Bon, bah c'est fait. Bon, bah écoute, alors quand on rentre, on appelle Alexandre. Est-ce que quelqu'un a touché au gâteau? Bah va aux toilettes, toi! Ah, il veut pas. Il va se pisser dessus, je le sens. C'est obligé. Bon, on va attendre qu'elle rentre. Et on va inviter Alexandre. Non, mais il est bugué en fait, c'est ça? Ah bah non, il est pas bugué. C'est chiant ce bug là, des Sims qui se bloquent comme ça. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est pénible. C'est pénible parce que des fois tu le vois pas tout de suite et que tu perds un temps fou avant de te rendre compte que. Faudrait quand même débugger tes Sims. Tom part travailler. Oh, magnifique, ils sont tous absents. On peut accélérer la journée. Lola a rencontré Malcolm. Ah non, lui il est vilain aussi, hein. Je veux bien qu'elle fasse une erreur de jeunesse, mais pas 12, hein. C'est bon. Dans la phase difficile pour la nourriture. Ah bah mon pauvre gars, t'es pas rendu, hein. Alors, invite Alexandre. Alexandre, invité. Est-ce que quelqu'un a touché au gâteau? Magnifique! Ah oh bah il y a déjà les bougies, c'est peut-être pour ça qu'ils n'y ont pas touché. Alors, il est où? Salut, ça va, la forme, tout ça? Prendre une photo ensemble, on va y aller tranquille. Et hop, tu vas aller souffler tes bougies. Donc tu me dis que je peux faire souffler les bougies.
Voilà, faire vieillir Sims. Ouais, super. Merci pour cette astuce, Missing. Et salut. Alors là, pour lire le pseudo, ça va être compliqué. Donc, salut à toi. Désolée. Mick, Mike? Excuse-moi, j'ai un peu de mal. Bon, on va aller accompagner Alexandre. Voilà, Alexandre, c'est bien, mon bonhomme. Tu sais pas qu'est-ce qui t'attend après, mais c'est bien. Alors, fais voir. Bon, c'est vrai qu'il est un peu vilain, mais... Et ça va encore, hein, c'est pas non plus. Il y a eu pire. Il y a pire comme PNJ, il y a pire. Hein? Il y a franchement pire. Il n'est pas. Il a une grande beauté intérieure, mais franchement, il y a pire. Ah! Eh ben, enchantée de te voir sur le live. Ça me fait très plaisir et je vois d'un coup beaucoup plus qui tu es. Donc du coup, oui, effectivement. Donc maintenant qu'il est ado, eh ben on va le faire se bécoter. Ah oui, mais alors attends, non, parce qu'on doit sécher l'école avec lui et accessoirement se bécoter et le quitter. Donc on va peut-être d'abord sécher l'école avec lui, après se bécoter, après le jeter, et puis voilà. Et oui, Missing, je me sers de lui. Encore une fois, pour accomplir les tâches qui me sont demandées pour le challenge. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, viens, comment on fait pour pas aller pour sécher? Faut que je l'appelle, faut que... On peut planifier ça à l'avance. Viens, demain, on n'y va pas. Demander de regarder les nuages, plus de choix, nickel. Chuchoter à propos du béguin. Non, on va pas dire que j'ai un béguin non plus, hein, on va pas s'emballer, hein. Je sais pas. Je sais pas comment je fais. Ouais, c'est ça. Prends une photo, éclate-toi. Non, elle a pas envie. Peut-être dans ma liste. Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Mentir. Faire l'idiot. Plus de. Non, bah je crois qu'à mon avis, c'est demain matin, avant le début de l'école, qu'il faudra que je l'appelle. Qu'il faudra que je l'appelle pour lui dire, viens, on sèche les cours. Du coup, j'ai plus vraiment besoin de lui, hein. On fait pas une sieste, hein, quitte à dormir. On a déjà dit lui de rentrer chez lui. Demander de partir. Tu vas aux toilettes. Ah bah tu peux pas, il y a ton frère dans la baignoire. Faut que je le fasse grandir absolument. Lui, il est censé être plus vieux que moi. Allez. Et tu dors. Et là, demain, je pense que demain matin. Ah bah qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut pas dormir. Putain, c'est reparti, ça rebug. Oh, il est content, sa mère est rentrée du travail, c'est beau. Ah oui, il faut que je me fâche avec un de mes parents aussi. Bon, on verra demain matin. On verra demain matin. Donc voilà, devenir rivale avec un de mes parents. Ah, faudra que j'aille changer le look de mon Sims aussi. Sécher l'école 4 fois. Bécoter quelqu'un et se faire un tatouage. Donc j'imagine que le tatouage, c'est en allant se relooker. Parce que je crois pas qu'il y ait moyen de se faire tatouer comme ça. On essaiera tranquillement. Alors, ensuite. Bon, on va avancer un petit peu, hein, parce que eux, on s'en fout. Est-ce qu'il va falloir que je te débug pour que tu puisses. Ah, oh ouais, ça y est, alors de mieux en mieux. Maintenant, ils dorment sur les bancs, quoi. C'est pas comme s'ils avaient un lit, hein. Ouais, je pense qu'il va falloir que je la débug. Écoute-moi bien, le chien, là. Si tu la réveilles, je t'envoie l'SPA. Ah, bah voilà. Non, tu peux pas y aller à ta mère. Tu peux pas y aller à ta mère. Bon, tu t'en fous qui est ta mère, visiblement. La pudeur, c'est pas un problème, hein, dans cette partie. S'en fout. Incroyable. Alors, tu vas pouvoir y aller. Utiliser. Plus de choix. Ouvrir à ce qui reste des haricots. Magnifique. Bon, bah, ça y est, l'autre, elle s'est écroulée.
Et non, les toilettes, elle veut pas y aller, donc il faut que je la débug. C'est pas gagné quand même. Voilà, utiliser, ouvrir, prendre des restes, allez hop. Allez, vas-y, tu peux le faire. Ce serait bien que tu retournes dormir aussi un petit peu après. Voilà, j'irai faire grandir le frère avant le prochain live pour pas vous faire perdre un quart d'heure et aller dans la gestion. La douche et des cousins. Eh, dis donc, toi, tu bosses chez Monsieur Propre ou comment ça se passe? Parce que bon, t'es gentil, mais... c'est ce que je peux, hein. Je fais ce que je peux. La pauvre, t'as vu tout ce qu'elle a à faire, déjà? Il y a un reste qui arrive partout. Qui fait à manger pour tout le monde. Qui fait le ménage. C'est bon, quoi. C'est une ado, c'est pas une boniche, hein. Ah, magnifique. Donc plus tard, tu seras mécano, hein. Ou femme de ménage grâce à Missing. Ouais, ça va dormir. Pas une sieste, hein. Ouais, non, c'est bon. Il est où le père? Mariage de Ulrich Faust avec Caleb Vator. Magnifique. Bon. On a perdu le père, je crois. Il préfère rester sur le trottoir devant la maison. Non, je me laverai pas là-dedans. Et oui, je pense qu'on peut appeler Christelle pour lui demander de nous donner une suite. Parce que là, ça mérite un surclassement. C'est évident. Hein. C'est évident qu'on mérite d'être surclassé. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un derrière la porte qui attend qu'on dise ça pour venir laver la baignoire, tu le sais. Ils sont comme ça chez Mickey. Hein. Dès qu'il y a un truc qui va pas dans ta chambre, il y a quelqu'un qui vient taper à ta porte pour le réparer. Ils ont même pas peur. Bon, sinon... elle va aller à la douche. Puis je te signale que je vis pas vraiment dans mon jeu, donc en fait, même si la douche, elle est dégueulasse... Personnellement, je m'en fous, en fait. Bon, alors, comment... Il serait peut-être... Bon, il est 3h du matin, on va se détendre. Mais comment on fait pour sécher l'école? Hop. Prendre des vacances. Hein. Bon, sécher l'école, je sais. Mais sécher l'école avec mon meilleur ami, comment ça se passe? Il est où? Il est ici. Non, je sais pas, il est peut-être trop tôt. Il est 3h du matin, on va attendre. Mais non! Regarde, il respire la joie de vivre. Regarde-moi ça. Si ça, c'est pas une ado épanouie, je sais pas ce qu'il te faut. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire en attendant que le jour se lève? Elle va aller jouer un petit... Elle va peut-être aller dormir, hein, parce que pour sécher l'école, faut être en forme. Faire une... Dormir. Non, mais ça, j'ai compris, si tu veux. Que je vais pas à l'école et que ça s'appelle sécher les cours. Sauf que moi, dans ma feuille, il y a écrit sécher l'école 4 fois avec votre meilleur ami. Je te rappelle que mon meilleur ami, ce n'est pas moi-même. Mon meilleur ami, c'est Alexandre Gothique. Donc, il faut que je sèche l'école avec lui. Donc, je sais pas, je l'invite à la maison, mais il va se barrer à l'école. Parce que lui, souvent, il m'invite à sécher l'école avec lui, mais... Je sais pas si ça compte. On va attendre. À 6h, 7h, je verrai s'il n'y a pas une option. Ah, c'est quand ils sont déjà à l'école, tu dis? Donc, faut que je les envoie à l'école. Bon, écoute, on va essayer. Si j'ai pas l'option sur le téléphone ou quoi, je serai de l'enverrer à l'école. De l'envoyer. Je l'enverrai. J'essaierai de l'enverrer à l'école, bien sûr. Bien sûr. Il est tard. J'en perds mon latin. Bon, allez. Mais c'est possible parce que chaque fois que Alexandre il m'envoie un message pour me dire viens on sèche, il est 11h du matin. Donc si bah tu l'invites à l'école, il n'y a pas d'option, t'es sûr. Vous êtes.
T'es sûr il n'y a pas d'option missing? Parce que Michel, il a l'air de dire que qu'il y a une option. Donc, je ne sais pas. Il n'y a pas d'option. Bon, bah écoute. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer machin chose là. Le machin à l'école. Et je vais voir si je peux, s'il y a l'option sur lui. S'il y a l'option sur lui, bah voilà. Et s'il n'y a pas l'option sur lui, j'invite Alexandre et puis on y va. Ah, sur le téléphone, il n'y a pas l'option. Mais sur lui, si elle va à l'école. Peut-être moyen. T'aurais vu d'être fixé les 6h du matin, de toute façon. Donc, est-ce que... Non. On va voir. Allez. On va attendre que l'autre gnome il se part à l'école. Toi, tu vas aller manger. Plus de choix. On va manger les restes. Ça vient que tu te détendes un peu parce que là, niveau divertissement, c'est pas ça. On s'en fiche, ça. Ça concerne pas Lola, donc ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors. Vas-y, lève-toi parce que s'il faut aller à l'école comme ça, à l'arrache. Non, va pas te coucher, tu dois aller à l'école. Tu dois aller à l'école. Réveillé. Faut que tu ailles à l'école là, vite. Pour que je sache si je dois y aller aussi ou pas. Voilà, va à l'école, dépêche-toi. Allez. Voilà, super. Alors, qu'est-ce que j'ai comme option? Quitter l'école plus tôt. Ouais, mais c'est pas vraiment séché, ça. Bon, on va éviter Alexandre. Allez, invité sur le terrain actuel, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Parce que si je fais quitter l'école plus tôt, elle va juste rentrer de l'école en fait. Mais du coup, elle ne sera pas avec Alexandre. Non, il n'y a pas d'option. Aïe, aïe, aïe. On cherche hein, pour trouver des astuces, mais... Vas-y, vite, dépêche-toi avant qu'il aille à l'école. Voilà, c'est bien, on sèche à la maison quand il y a les parents, tout va bien. Hop, il est là, magnifique. Faut surtout pas qu'il se barre en fait. Autre Sims, non, plus de choix. Non, il n'y a pas d'option là-dessus. Malice, hein. Malice non plus. Non, bah il n'y a pas d'option. Donc on va essayer de faire comme ça. Faut juste pas qu'il se barre à l'école dans 7 minutes. Non mais reviens, il est là. Couillonne. Prévoir, être obsédé, demande. J'en sais rien, moi, Mickaël. Non, tu restes là, tu restes là. Hop, on s'en fout. N'importe quoi est bon. De toute façon, il va falloir que tu ailles bécoter. Donc, il va bien falloir qu'à un moment donné, tu le dragues. Voilà. Ah, donc tu penses qu'il faut quand même que je l'envoie à l'école. Attends. En fait, j'ai quitté l'école plus tôt, mais... Mais du coup, ça me propose pas de partir avec un... Il faut absolument que je sèche l'école avec lui. Mais là, du coup, je sèche l'école. On peut dire que je sèche l'école. Ouais, vas-y, réponds. Oui, je suis pas à l'école. Ouais, mais j'ai besoin qu'il soit là, en fait, parce que dans le challenge que je fais, j'ai besoin de sécher l'école 4 fois avec mon meilleur ami, donc c'est-à-dire lui. Donc, bah là, on va vous écouter. Moi, je vais considérer que j'ai séché l'école une fois. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire hein, parce que, si tu veux, Alexandre Gauthier, qui m'intéresse que moyennement, même si à un moment donné, je vais... Notre relation va passer à une étape supérieure.
Avant de repartir. Ouais, bah vas-y, va te baigner. Il est froid, ça va être sympa ça pour se bécoter, tiens. Je sens que ça va être sympa. Bon. Écoute, va nager, ça fera monter ton divertissement. Faire des longueurs. Ah, d'accord. Bon, bah, on va essayer demain. Demain, je les enverrai tous les deux à l'école. Demain, on est vendredi. Je les enverrai tous les deux à l'école et puis on verra. On verra bien. Ah, tu cliques sur elle là, où on peut bien travailler. Ok. Ah bah il s'est barré. Bon, de toute façon, il va à l'école, va. De toute façon, il s'est barré, ça sert à rien. Allez hop. Tu seras à la bourre de toute façon. Et si on clique sur lui? Non. Après, j'y suis pas depuis ce matin, alors peut-être que je peux passer chez l'école, mais. Non, j'ai pas. Et si je fais quitter plutôt, qu'est-ce qui se passe? Alors, oui. Ouais, mais du coup, il me propose pas un pote, hein. Bon, ben. Va faire tes devoirs quand même. Parce que vu que tu vas sécher plein de jours d'école, ce serait dommage de. Vas-y, fais tes devoirs. Bon. Ça, on s'en fout, on va le vendre. Bon, ça m'embête cette histoire de sécher l'école, là. J'y comprends rien. Je sais pas comment on fait. Va falloir que je me renseigne. Enfin, sécher l'école, ça c'est bon, j'ai compris. Mais sécher l'école avec. Ah, mais il est encore là. Ah, c'est parce qu'il n'est pas à l'école en fait. Bon, on va retenter notre chance demain. On va retenter notre chance demain. Vas-y, rentre chez toi. C'est bon, j'ai plus besoin de toi. Demander de partir. Le Sims part déjà. Ah, parce que là, t'as l'impression qu'il est en train de partir. Là, moi, j'ai l'impression qu'il est en train de squatter mon canapé. J'ai pas l'impression qu'il se barre. Ah si, ça y est. Bah, dis donc. Remplir. Allez, remplis la gamelle. Écoute, tu vas aller t'amuser un peu là parce que je sens que tu es tendu. Prendre des restes. Ah ouais, t'as cassé le machin aussi. Bon. Bon, de toute façon, je pense qu'on va pas tarder. Je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais aller me renseigner un petit peu pour cette histoire de sécher les cours, voir si je l'envoie demain en cours avec Alexandre. Est-ce que je vais avoir l'option qui va apparaître? Et puis bon, on a pas mal avancé quand même, hein. On a fini un stade et bon, le nouveau stade prend un peu de temps à démarrer, mais une fois qu'on sera lancé, ça va se faire tout seul. Merci à tous d'être venus voir mon live et d'être venus faire un petit coucou sur le chat. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, si vous connaissiez pas encore la chaîne et que ce que je fais vous plaît, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitch voilà, pour être au courant des prochaines diffusions. Si, voilà, si vous avez envie de connaître la suite. De ce challenge, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube ou Twitter. Vous avez tous les pseudos là-haut. Et c'est un peu le même à chaque fois. C'est pas trop compliqué au niveau mnémotechnique. Vous devriez vous en sortir. Et puis, moi, je vais couper le live ici. Je vous remercie beaucoup, hein. Oui, Missing, le lavabo est dégoûtant. J'ai compris. On va le nettoyer. Et bah écoute, Michel, le lien. Enfin, le lien. Je vais la refaire. Les règles du challenge, je les ai traduites en français sur le forum officiel. Si tu restes 2 minutes après la fin du live, je vais te mettre le lien dans le chat directement sur le post. Comme ça, tu pourras voir les règles. Voilà. Si tu as 2 minutes, là, je coupe le live et je vais te chercher le lien tout de suite. Bah voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite en live ou sur YouTube. Et puis voilà, à bientôt!